Bonsoir à tous, bienvenue dans ce magnifique opéra dans le cadre d'Opéra Litra, en partenariat donc avec les Librairies Charlemagne et puis l'Opéra de Toulon. Je remercie Régis Vianderive et puis Claude-Henri Bonnet, ici présent, de nous accueillir dans ce fabuleux opéra. Sans plus tarder, j'appelle l'hôte de ce soir, Monsieur Sylvain Tesson. Accompagné de Valérie Dufayet, qui aura le plaisir de nous terminer ce soir. Je suis bien très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à Toulon. C'est un grand privilège, vu les nombreuses sollicitations suite au prix, et puis surtout de vous attraper au vol sur Terre et ici à Toulon. Donc le déroulé de ce soir, merci d'être venus si nombreux, 1h15 d'entretien, et on enchaînera directement avec la dédicace qui se passera dans le hall d'entrée, et pour que satisfaire l'ensemble des lecteurs d'avis, on vous demandera un seul livre à dédicacer pour que, suite à ce bel événement, on puisse dédicacer l'ensemble des personnes qui le souhaitent. Voilà, belle rencontre à tous, et encore merci de votre confiance et de votre venue ici. Régis, un petit mot. Juste, je voulais dire qu'on, d'ailleurs l'assistante le prouve, on a tapé dans le mille. C'est vrai que quand nous nous sommes croisés cet été à Pibarnon, nous ne pouvions pas penser que vous auriez le Renaudot. Et donc c'est une, je pense que le public toulonnais n'en est que plus ravi, voilà, tout simplement. Personne ne regarde. Merci Sylvain Tesson d'être là, de nous permettre voilà, de partager cette heure avec vous et ces voyages et ces ouvrages, ces écritures que vous nous confiez. Et on va peut-être commencer par la géographie, par cette idée d'une géographie sensible et humaine. En vous lisant, on pense à justement à ce travail des géographes, des anthropologues qui parcourent le monde pour essayer justement de lire ce monde, de lui donner du sens et de trouver notre place d'homme. Et j'ai trouvé une citation d'Arcan qui, je trouve, résume peut-être bien ce que vous nous donnez à vivre à travers vos livres et ce que vous vivez vous-même. Arcan dit « Jamais on ne pourra oublier le lieu d'un bel amour ». Le décor d'une joie profonde ou le contexte d'une tendresse. C'est à travers de telles histoires que la géographie devient humaine. Merci de me poser cette question, qui est une question difficile. Je reconnais là le professeur de philosophie qui est en vous et qui se manifeste par le choix et l'épaisseur de ces questions. Je vais essayer d'y apporter une proposition de réponse, mais je veux d'abord vous remercier d'être là si nombreux, bien que pour l'instant nous n'ayons du public qu'une vision assez abstraite et qui est absorbée par l'obscurité. En tout cas, merci à vous d'être venu écouter cette intervention. Alors, vous posez une question sur la géographie et d'après la citation que vous venez de nous donner, sur le rapport qu'il peut y avoir entre la géographie et le souvenir, et notamment les souvenirs des êtres humains, les souvenirs enfouis en nous et qui se révèlent dans le paysage, par exemple, ou dans l'expérience que l'on peut vivre dans une nature ou au cours d'un voyage. Les souvenirs qui tout à coup se révèlent. Moi, je suis très sensible à ça. Vous ne m'aviez pas dit que vous alliez lire une citation qui allait avoir attrait à ce sujet-là, mais j'y suis très sensible parce que je crois de manière intuitive, je n'ai pas étudié la philosophie, je ne suis pas armé pour la formulation technique de la pensée, mais j'ai l'intuition depuis très longtemps que c'est en se promenant dans des natures sauvages, c'est en traversant des territoires lugubres, qui sont parfois difficiles, qui sont assez peu peuplés, j'ai l'intuition que c'est en pratiquant ce contact avec la chair du monde, avec le relief, avec la vérité des steppes,
des déserts, des forêts ou des montagnes, j'ai l'intuition que c'est à ce moment-là qu'on peut faire naître en soi des souvenirs, et des souvenirs notamment de personnes très chères que l'on a pu rencontrer. Alors si vous me permettez d'être moins abstrait et d'apporter une forme d'exemple à ce que je viens de vous dire, permettez-moi de me souvenir de la première fois que j'ai vu la panthère des neiges au Tibet avec le photographe qui m'emmenait la voir. Nous étions à 4500 mètres d'altitude dans la haute vallée du Mékong, le soleil tombait, il était 6 heures du soir et il m'a montré la panthère qui était à 150 ou 200 mètres de nous. Et je ne le savais pas, mais une fois que mon œil l'a détecté, j'ai vu se surimposer à elle le souvenir de ma mère défunte. Ce qui est une forme d'illustration de la phrase que vous venez de lire, cela prouve que parfois, nous allons chercher des objets de nos désirs très loin, nous accomplissons des aventures très élaborées et très sophistiquées, et nous nous rendons compte soudain que l'objet de ce désir ne sert finalement qu'à convoquer un souvenir qui était éteint en vous. Voilà, je trouve cette idée magnifique parce que c'est finalement l'objectif du voyage. C'est en même temps l'aveu d'une certaine forme d'absurdité parce que ça veut dire que le plus court chemin qui vous mène à soi-même, qui vous mène à vous-même, vous conduit d'abord à faire le tour du monde. C'était bien la peine tout de même. Alors, tout se mettre à 5000 mètres d'altitude pour aller voir des panthères qu'on ne voit jamais, tout ça pour rappeler en vous le souvenir d'êtres très chers qui ont disparu, tout ça pour ça, pourrait-on dire. Mais en fait, non. C'est simplement une convocation de ce qui était enfoui, de ce que vous pensiez être éteint en vous-même et qui apparaît lorsque vous voyez autre chose. Alors, je voudrais conclure en disant deux choses. D'abord, c'est la définition du surréalisme. André Breton, dans le manifeste de 1924, explique que le surréalisme, c'est la juxtaposition sur un même plan de deux images qui étaient très lointaines et très éloignées. Et puis, il le disait de manière très précise dans le manifeste de 1924, que deux sensations ou deux images très lointaines qui se juxtaposaient, qui se surimposaient, pouvaient créer une forme d'électrocution surréaliste. Alors voilà, pour cette raison-là, moi je crois que c'est pour ça que je voyage, c'est pour que s'allument des flambeaux que je croyais éteints. Merci beaucoup. C'est un rapport au temps, c'est un rapport à l'espace aussi. Quitter la France, et particulièrement pour l'Asie, c'est trouver un espace nouveau, un espace que vous avez redécouvert avec cette recherche de la panthère des neiges. C'est une redécouverte, vous avez raison. Je connaissais, moi, le Tibet. J'étais allé au Tibet à beaucoup de reprises. La première fois, je l'avais traversé à bicyclette quand j'avais 20 ans, en 1993. Après, j'y suis retourné à pied. J'ai fait des voyages assez nombreux là-bas, mais qui étaient des voyages de mon ancien temps, c'est-à-dire d'un moment, d'une époque de ma vie que j'ai beaucoup aimée, mais où je définissais le voyage et l'aventure par le mouvement. Je voulais faire des kilomètres, je voulais faire des moissons de kilomètres. Je pensais que l'intensité de la vie procédait d'un déplacement. Et le Tibet, je l'ai redécouvert parce que celui que j'avais traversé lorsque je courais partout et que je traçais sur la carte des itinéraires très étendus, des grandes élongations, je ne m'apercevais pas que les territoires que je sillonnais étaient peuplés. Je ne savais pas que j'étais regardé à ce point-là par des bêtes. Et c'est pour ça que c'est une redécouverte. Car quand Vincent Munier m'a emmené tenir ses affûts, je me suis rendu compte que dans ces vallons, dans ces montagnes, dans ces crêtes que j'avais pratiquées, que j'avais traversées, que j'avais sillonnées, il y a tout un peuple de bêtes, et dont je ne soupçonnais même pas l'existence.
Alors évidemment, c'est plus qu'une redécouverte, c'est tout à coup un nouvel usage du monde. Vous savez que vous êtes regardé. Quand on se promène dans les villes, moi je viens du nord de la France, j'ai toute une partie de ma famille qui habite en Belgique, dans la Picardie. Nous avons beaucoup l'habitude des villes avec des beffrois, des places carrées, avec les façades à pignons, pleines de gargouilles. Et peut-être dans l'esprit des architectes médiévaux ou baroques qui construisaient des beffrois dans leur ville, il y avait cette idée-là qu'il faut représenter ce qui vous regarde sans que vous le sachiez. Il y a comme ça des bêtes qui vous scrutent, elles veulent que vous débarrassiez le plancher, elles veulent que vous dégagiez la place, mais elles sont là, elles vous regardent. Et ce n'est pas du tout angoissant de se savoir scruter. C'est au contraire quelque chose qui est très enrichissant. Vous vous dites que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas non plus le point d'aboutissement absolu de l'histoire de l'évolution. Il y a tout un autre peuple qui se déploie autour de vous et qui raconte, qui vit des histoires, qui vit des aventures. Et vous, vous êtes là, vous ne faites que passer dans ces endroits où vous êtes vu. Ces territoires, c'est un espace nouveau. C'est aussi un rapport au temps que vous nous confiez dans La Panthère, où vous nous dites que la nature en Asie a choisi la durée, la longévité, plutôt que la multitude. Les choses durent là-bas. C'est cette nouvelle conscience du présent qui vous l'a fait comprendre, ça, ce rapport au temps nouveau. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue au présent dans La Panthère, qui est fondamental. Oui, en l'occurrence, la phrase à laquelle vous faites allusion, non, c'est une idée qui est beaucoup plus banale que ça. C'est une idée de biologiste, c'est-à-dire que la nature, pour perpétuer la vie, c'est-à-dire la continuation des lignées d'animaux, a deux options. Soit elle procède par la multitude, alors à ce moment-là, c'est l'explosion de naissance, et ce sont les insectes, par exemple. Prenons les moustiques, qui se reproduisent très vite, avec des cycles de reproduction très courts, avec des explosions matricielles qui font naître beaucoup d'individus, mais que dont les vies sont très éphémères et dont les existences sont très fragiles, mais dont le cycle se renouvelle par la ponte des œufs. Soit elle choisit une autre option, qui est celle d'animaux beaucoup plus élaborés, beaucoup plus sophistiqués. En l'occurrence, la phrase à laquelle vous faites allusion s'attachait à la panthère. Et ce sont des animaux qui vivent des vies plus longues, plus difficiles, qui sont beaucoup plus isolés, qui sont beaucoup plus rares. Alors, si on veut trouver des illustrations antipodiques du moustique, ce serait la tortue. La tortue que moi, j'ai eu la chance d'accompagner des missions de la marine nationale autour de Madagascar, dans des territoires qui appartiennent à la France, qui s'appellent les îles Éparses. Et la marine vient ravitailler des contingents de soldats français qui gardent ces îles en compagnie de scientifiques des terres australes françaises qui étudient les tortues. Et la tortue, c'est quelque chose, c'est un animal qui nous renvoie vraiment à un mystère, à un mystère biologique, à un mystère de l'évolution. C'est-à-dire que sa vie dure très longtemps, sa vie dure très longtemps parce qu'il va falloir qu'elle compense cette... Elle va compenser ce manque de profusion dans la perpétuation de sa lignée par la longévité. Parce qu'il y a très peu de tortues qui naissent. Voilà, je ne sais pas pourquoi toute cette conversation nous a mené à parler des tortues des îles Éparses, mais alors que... Sur la longévité. Alors qu'en réalité, nous devions convoquer les panthères. Elles ne sont pas loin. Oui, elles mais voilà, c'est loin. Parce que c'était le mystère, c'est le mystère de ces choix qu'opère la nature pour dans des directions très différentes et très disparates, mais pour tenir la même ligne, c'est-à-dire la perpétuation du vivant. Cette panthère, cette impératrice, vous dites à un moment dans le livre que l'espérance vous suffirait. Vous êtes à l'affût, vous êtes dans l'attente, mais seule l'espérance est déjà un don. Vous auriez pu ne pas l'avoir vraiment? Non, ne pas être déçu. Non, vous êtes aimable de rappeler que je dis ça, mais je le dis pour jouer au faux sage, parce qu'en réalité, non, l'espérance ne m'aurait pas du tout suffi, sauf que quand vous parlez de vos affûts, vous avez comme ça bonne conscience à vous dire que
que l'espérance vous aurait suffi, mais c'est faux. Moi, on ne se refait pas. Moi, je suis un occidental, je suis un européen, je suis un français, je suis cartésien. J'ai envie d'accomplir ce que je veux. J'ai envie que mes rêves se réalisent. J'ai envie que l'objet de mon désir apparaisse lorsque je l'ai beaucoup attendu. En revanche, s'il n'était pas arrivé, alors ça, j'ai réfléchi, puisqu'on a le temps. Quand on attend pendant 48 heures un animal qui n'arrive pas, on a le temps de se demander comment on fera pour le cas où il n'arrive jamais. Et je me suis dit que l'Asie, dans sa production de choix de pensée et dans son magasin de philosophie, l'Asie a proposé beaucoup d'antidotes au désespoir. Si jamais la panthère n'était pas apparue, j'aurais pu me tourner vers le bouddhisme en me disant le Bouddha nous recommande de ne rien désirer puisque c'est le désir qui amène la souffrance et qui fait que la vie est un long cheminement de douleur. C'est parce qu'on a trop de désir. Alors si on sort du désir, à ce moment-là, on réduit la douleur. Donc l'option bouddhiste m'aurait recommandé de ne pas désirer voir la panthère. Le Tao chinois, qui n'a pas eu beaucoup de succès au Tibet, plutôt dans le nord du plateau, le Tao chinois, lui, dit que tout procède de l'unique et puis que tout ensuite s'est diffracté, mais qu'il y a un écho de l'unicité primordiale dans chaque être vivant. Donc si je n'avais pas vu la panthère, j'aurais peut-être vu un papillon et je me serais dit, là, il y a un écho de la panthère dans ce papillon et ça peut me suffire. Le Bhagavad Gita, qui est le 7e chapitre du Mahabharata indien, ce sont des textes que l'on trouve et qui sont superbes d'ailleurs. C'est le grand enseignement que Krishna donne aux hommes. Krishna qui était un combattant, un dieu combattant. Et dans le Bhagavad Gita, Krishna recommande l'équanimité, la stabilité d'âme. C'est-à-dire, il dit, si jamais une chose vous arrive, vous devez vous tenir dans le même abandon que si cette même chose ne vous arrive pas. Ben, une fois que vous savez ça, vous pouvez vous dire, bon ben, que je vois la panthère ou que je ne la vois pas, de toute façon, restons dans ma stabilité krishnaïte, ou alors restons dans la compréhension taoïste que tout est dans tout et réciproquement, ou alors attachons-nous au précepte bouddhique de ne surtout rien désirer. Mais une fois que vous êtes dit tout ça, finalement, le petit occidental qui est en vous reprend du poil de la bête et se dit, ça ne me suffit pas, je veux la voir. Et soudain, heureusement, elle apparaît, et à ce moment-là, vous n'avez ni besoin de Bouddha, ni de Krishna, ni de Lao Tzu, parce que tout à coup, l'objet de votre désir a réussi enfin à vous permettre de souscrire à votre fantasme occidental d'accomplissement des désirs et d'assouvissement des rêves. Merci beaucoup pour ces sagesses. On va tenter de les appliquer déjà dans le Var. On verra un peu plus loin. Vous avez planté le décor comme cela, comme dans le début du livre, où on a l'impression que la nature apparaît comme avec ses éléments pour que cette panthère puisse venir. C'était dans l'expérience, dans la réalité, c'était comme ça aussi, beaucoup d'observations au départ et des motifs, des éléments très synthétiques que vous posez également au début du livre. Vous l'avez perçu comme ça, cette nature là-bas ? Oui, c'est-à-dire qu'on est en haute altitude et la nature se révèle dans une nudité. Il y a très peu de végétation. Le pays est harassé par le vent et brûlé par les ultraviolets. Est très peu fécondé, la végétation est très rase. Donc la végétation ne crée pas un masque qui vous empêcherait de voir la faune. Les animaux circulent sur des grands parvis tout à fait dénudés. Donc vous les voyez très bien, d'où peut-être votre impression qu'il y a des motifs, comme des motifs décoratifs, dans un paysage très nu. C'est-à-dire que c'est un paradoxe, il y a un caractère très hostile, est très lugubre de la géographie, c'est vraiment l'altitude, quoi. C'est ce qu'on appelle la steppe d'altitude, mais cette steppe d'altitude n'est pas vide, et au contraire, elle pourvoit la vie, elle procure le nutriment à suffisamment de bêtes pour qu'il y ait une circulation permanente d'animaux. C'est pour ça qu'à un moment, je pensais à Karen Blixen, parce que Karen Blixen, la Danoise, quand elle est dans sa ferme africaine, et que le matin, petit déjeuner, comme ça avec sa théière, et puis elle regarde
des efflorescences, des explosions de vols de flamants roses, des éléphants qui passent quasiment dans son jardin potager. Enfin, vous voyez la ferme africaine, quoi. Il y a comme ça tout ce paradis devant ses yeux, qui est décrit superbement dans les passages de la ferme africaine. Eh bien, bizarrement, on pourrait penser que le Tibet, c'est l'antinomie de cet Éden africain. Ben, pas du tout. En réalité, il y a suffisamment de vie, il y a suffisamment de richesse et de fécondité dans ces parages tibétains pour que vous ayez l'impression quasiment d'une ferme africaine, mais très climatisée. Sentiment d'éternité, la spiritualité est présente dès le départ dans ce voyage. Il y a un rapport au temps, on l'a dit, qui est particulier, revenir au présent, être à l'affût, être dans l'attente de cette panthère. Mais il y a aussi cette idée de l'ordre. C'est quelque chose d'important pour vous, de se confronter à cet ordre-là ? Oui, c'est-à-dire que enfin, ce que je peux dire là est très banal, parce que toute personne qui aura un jour, et je crois que c'est un penchant que nous partageons tous, toute personne qui se aura contemplé un jour un spectacle naturel aura été frappée par cette extraordinaire harmonie des choses. C'est cela que la nature vous renvoie d'abord, avant même l'émotion esthétique, avant même la surprise devant ce que vous n'avez jamais vu et ce que vous voyez soudain. Il me semble que le premier enseignement, le premier saisissement, quand on est devant un spectacle d'un ours, car j'ouvre une parenthèse, je suis retourné au Tibet il y a un mois et demi avec Munier, et nous avons vu des ours du Tibet. Chose que je n'avais pas vue lorsque j'ai fait ce séjour qui a donné lieu à ce récit. Alors, lorsque vous voyez ces animaux, il y a tout ce que je viens de vous dire, l'émotion, le sentiment de beauté, de force, de puissance, mais surtout d'équilibre. Vous avez employé le mot d'ordre, l'ordre naturel qui est manifesté par ces animaux qui ont réussi à s'adapter à des conditions où la vie pourrait vous sembler impossible, et où vous-même vous l'éprouvez dans votre chair, puisque vous souffrez relativement, mais un peu tout de même. Vous sentez que vous n'êtes vraiment pas fait pour ces altitudes, que vous ne devez faire que passer et si possible descendre, et voilà que des bêtes se sont adaptées fantastiquement à cet écosystème. C'est ça l'ordre, c'est-à-dire que la vie, cette espèce de miracle qui est apparu il y a 4 milliards d'années sur la Terre, le miracle c'est que des éléments chimiques soient devenus tout à coup des éléments biologiques. On ne sait pas très bien encore comment s'est fait ce passage. Et puis ces éléments biologiques qui étaient très primitifs se sont diversifiés, et se sont ramifiés et ils ont occupé tous les interstices de la géographie. Depuis les altitudes jusqu'aux profondeurs marines. Il y a même des bêtes qui vivent dans les sources sulfuriques au fond des océans. On les appelle les bêtes extrémophiles, qui sont amoureuses, qui aiment, enfin en tout cas qui se prospèrent et qui se propagent dans des conditions très extrêmes et très hostiles. Tous les interstices sont peuplés. Voilà où est le miracle. Voilà où est cette espèce d'extraordinaire pulsion vitale qui fait qu'il y a des bêtes partout, même sur ce canapé, sur ce nonchaloir, sur ce, je sais pas comment on appelle ça, un boudoir, ou enfin sur ce fauteuil, il y a des bêtes, il y a des acariens, et puis il y a nous au-dessus, il y a des grosses bêtes sur des petites bêtes, tout ça est tout à fait, enfin non, mais plus ou moins raffiné, je parle pour vous, mais c'est extrêmement, pour un naturaliste contemplateur, c'est quelque chose qui est fascinant, cet ordonnancement du vivant. Or, l'homme qui tout à coup s'est invité dans tout ce magasin du vivant récemment, l'homme est arrivé avec son génie et sa gloire et sa splendeur, mais il est arrivé comme un facteur de désordre. Alors voilà, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas du tout une espèce de procès, qui suis-je d'abord pour faire ce sera le procès que je ferai à moi-même, mais c'est un constat. C'est un constat. Et puis, puisque vous avez prononcé ce mot, voilà, ça n'est pas un exercice
abstrait de la pensée que d'essayer a posteriori, après avoir rencontré ces bêtes, de se demander pourquoi on pense à l'ordre. C'est un saisissement immédiat qui tout à coup vous transperce, de voir cet extraordinaire équilibre que rien ne menace en fait, que rien ne menace lorsque, à part l'homme bien entendu, mais que rien ne menace dans sa continuité, dans sa stabilité et dans son maintien. C'est extraordinaire. En même temps, puis je conclue comme ça, cet ordre-là, qui est l'ordre génétique de la bête, l'ordre instinctif, la condamne, la détermine, l'emprisonne, l'enferme. La bête est conduite par ses gènes, déterminée par ses instincts, emprisonnée dans son écosystème. Elle est parfaitement sertie dans cet espace, mais elle ne peut pas en sortir. Elle ne peut pas décider d'être autre chose qu'elle-même, alors que nous pouvons. Alors ça fait notre génie, mais ça fait aussi notre malheur. C'est un ordre harmonieux. C'est gai tout ça. C'est... Ah oui, je trouve. Ah oui, tout à fait. C'est lié à la beauté aussi, à l'harmonie. Vous nous aviez amené déjà sur les pas d'Homère. Je crois que c'est la musique est quelque chose d'important pour vous aussi. Et je crois que c'est dans l'Iliade qu'il parle de la musique qui adoucit justement l'âme, mais aussi dans son effet de purification, peut même avoir des effets sur le sang, sur la vie, sur la force des individus. Vous écoutiez de la musique là-bas ? Ou vous étiez juste dans le silence de la nature et les cris des loups ? Au Tibet, non, pas du tout. Le chant des loups. Oui, non. Non, moi, je ne crois pas tellement à la musique comme bruit de fond, non. Ni comme élément visant à remplir une valise qui serait votre propre vide intérieur, non. Non, je ne crois pas du tout à la musique comme élément de remplissage du néant. Non, moi, j'écoute de la musique si jamais je ne suis pas à ma place, c'est-à-dire je suis à la vôtre et que j'écoute un orchestre, ou alors j'écoute de la musique pour écouter la musique. Non, mais je ne l'écoute pas du tout comme un brouhaha général. Comment se passait une journée, si tant est qu'elles se ressemblaient les unes et les autres, peut-être pas tant que cela en définitive, mais quelle était la journée pour vous quatre avec vos... Mais en fait, l'affût, c'est la conclusion de quelque chose. C'est la conclusion de la traque et de la piste. Donc une journée commençait par la piste. On pistait les animaux. Meunier partait avec nous dans la montagne, en général très tôt, naturellement. Et là, il faisait ce qu'il appelle la détection des indices, les traces, les mouvements des herbivores. Les herbivores, on les voit tout de suite. Les chamois, les yaks. Et on peut détecter en fonction du mouvement des herbivores s'ils ont une panique, s'ils ont une inquiétude, ce qui signalerait peut-être la présence d'un fauve dans les parages. À ce moment-là, on s'approche, parfois on trouve des signes, parfois on trouve des traces, et alors à ce moment-là, on se met à l'affût. Et ça peut durer des heures, ça peut durer des jours. Donc les journées, elles ne se ressemblaient pas. Il y en avait qui étaient purement dévolues à l'attente, d'autres qui étaient consacrées à la traque, certaines qui étaient des affûts de hasard, c'est-à-dire que parfois vous vous postez quelque part en fonction d'un choix très arbitraire et vous attendez, vous scrutez, vous balayez l'horizon et peut-être quelque chose apparaîtra-t-il, mais peut-être rien. Et c'est ça qui est la grandeur pour moi de l'affût, c'est qu'il y a une attente, il y a une espérance, mais il n'y a pas une exigence. C'est donc l'affût une position, un état qui est tout à fait anti-moderne. Ça ne ressemble pas du tout à ce que nous avons décidé de faire de nos vies, c'est-à-dire des postes d'exigence, des petits tribunaux qui soumettent, qui enjoignent à toute chose d'apparaître aussitôt qu'elle a été convoquée et qui soumettent vos interlocuteurs, vos amis et votre entourage de répondre immédiatement à toutes vos sollicitations. L'affût, c'est le contraire. Vous acceptez que le temps ne vous apporte peut-être rien. Mais s'il vous apporte quelque chose, c'est-à-dire des visions très gracieuses et superbes, alors à ce moment-là, vous serez dans la bénédiction parfaite. C'est merveilleux, l'affût. C'est vraiment un usage du monde de l'acceptation. Voilà à quoi pouvait ressembler une journée. Vous voyez, il peut y avoir des peintures très riches, très épaisses, très intenses, très colorées d'une journée,
mais il peut y avoir des peintures qui ressemblent à un lavis tout à fait uni et vide de toute présence. Il est arrivé de revenir bredouille de l'affût. Mais est-on vraiment bredouille de... C'est ça que la question qu'on peut se poser. Est-on vraiment bredouille de longues heures consacrées à regarder un paysage somptueux, à voir varier la lumière devant soi et à se laisser traverser par ce qui peut ressembler à des souvenirs ou à des réflexions ou à des émotions? Je ne crois pas que ce soit une parfaite définition de la défaite. Ça paraît tellement étranger, effectivement, et lointain de nos mouvements, comme vous dites, domestiqués, d'européens, de journées qui sont déterminées, administrées. Ça a dû être une véritable libération. Vous en avez parlé, tous les quatre, de cette manière de vivre complètement différente de celle à laquelle nous sommes soumis, ici. Non, pas tellement, parce que Vincent Munier, le photographe, est... Sa compagne Marie Amiguet, qui prépare un film sur le thème de l'affût, et puis le philosophe qui nous accompagnait, Léopold, qui est un philosophe qui va finir sa thèse de philosophie des probabilités, vivent dans cette disposition. Ils vivent l'affût en permanence. Munier, il fait ça depuis 12 ans. Il a commencé dans la forêt des Vosges, qui sont ses forêts natales. Il a commencé à faire des affûts en passant de longues nuits pour essayer de voir apparaître les chevreuils ou les grands tétras. Et quand vous vivez quelque chose, quand vous êtes dans une présence, quand quelque chose est votre vérité, ben ça vous paraît très banal, vous n'avez pas besoin d'en parler. Vous ne parlez des choses que si elles vous semblent suffisamment distantes de vous pour que vous en fassiez un sujet. Moi, c'était quelque chose de nouveau pour moi, c'est pour ça que j'en parle. Puis en plus, j'aime bien parler, j'aime bien formuler les choses que je vis. J'aime bien transformer les sensations que j'ai eues en mots. J'aime formuler tout ce qui appartient aux abstractions des souvenirs. Alors c'est pour ça que je le fais. Et puis parce que vous me posez la question. Mais nous ne parlions pas. Puis de surcroît, il ne faut pas parler quand on est à l'affût. Il vaut mieux essayer de se taire. Ni fumer, et puis pas trop s'agiter. C'est pour ça que moi, je me demandais parfois ce que je faisais là, et je me demandais comment ils avaient eu l'incongruité de me proposer de les accompagner, parce que j'aurais quand même pu tout faire capoter. Et il suffit parfois de parler aussi fort que nous le faisons là, pour qu'il n'y ait plus une seule bête dans un rayon de plusieurs kilomètres. Alors voilà, il faut se réformer. Il faut se réformer quand on est... Quand on passe une journée avec Munier, il faut se déshabiller finalement de tous ces réflexes et de tous les comportements auxquels vous a habitué la vie dans les villes de notre temps contemporain. Et retrouver un rapport à la nature que vous aviez déjà enfant. C'est aussi un retour à l'enfance et à ce rapport aux bêtes, à la nature, au paysage qui existait déjà en vous. C'est un désir qui s'exprime depuis longtemps chez vous. Oui, oui. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est que les enfants, on en a rencontré quelques-uns. Voilà, on en a rencontré quelques-uns au Tibet. Et moi, je me suis aperçu de quelque chose à propos de l'enfance. C'est que les enfants n'ont pas du tout le même regard sur le paysage et sur la nature que les adultes. Et je vais vous raconter une anecdote très précise. Vincent Munier a fait une photographie, alors ça semble idiot de décrire une photographie, enfin je vais quand même m'y essayer. Il a fait une photographie il y a quelques années d'un faucon qui s'est posé pas très loin de lui, à une dizaine de mètres, un faucon qui s'appelle le faucon sacre, posé devant lui sur un rocher. Il a pris ce faucon en photo. Et puis, il est revenu chez lui quelques mois plus tard, et en regardant les photographies, pour les sélectionner, il s'est aperçu que derrière le faucon, à quelques mètres, il y avait le visage, enfin la face d'une panthère, dissimulée derrière les rochers, tout près du sujet, c'est-à-dire du faucon. Et ni le faucon, ni lui, le photographe, n'avait détecté la présence de la panthère, tellement sa capacité de camouflage et de dissimulation a été portée par l'évolution.
à un degré d'achèvement et d'accomplissement ultime. Et cette photo, moi, me fascine, parce qu'elle dit quelque chose sur nos vies. Elle dit que très souvent, dans nos existences, notre regard tombe sur ce que nous connaissons déjà. Et nous ne voyons que ce qui est évident. Et nous détectons dans une situation, devant un spectacle, devant un paysage, que ce que notre œil prend plaisir à reconnaître. Nous aimons que le souvenir soit caressé par la référence que nous avons. Et les enfants, eux, quand ils regardent cette photographie, ils voient tout de suite la panthère que nous ne voyions pas. Comme si leur regard était moins alourdi, moins pollué, moins habité par les références, par les souvenirs. Ils ne vont pas vers l'évidence, ils ne regardent pas le faucon. Il voit la panthère juste à côté. Enfin voilà, je vous racontais cette histoire pour vous dire que c'était simplement pour vous dire que l'affût, c'est une des composantes de l'esprit d'enfance. Vous avez raison de faire le lien. L'enfant aime d'abord s'isoler de cette espèce de monde un peu sérieux des adultes et regarder la nature avec beaucoup d'enchantement. Enfin, je pense que les enfants continuent à aimer ça et continuent à le faire beaucoup. C'est immémorial. La place d'un enfant, c'est pas devant un écran, c'est devant un étang. C'est pas devant un ordinateur, quoi. C'est dans une forêt, c'est dans la nuit, c'est sous les étoiles, c'est au haut des arbres. Enfin, c'est incroyable. Mais malheureusement, il y a des pédagogues qui sont arrivés et qui les ont fait cliquer des souris au lieu de les regarder. Enfin, c'est complètement stupide. Alors nous, ce que nous faisions avec Meunier, ce que moi j'éprouvais beaucoup, c'était qu'il me ramenait dans l'esprit d'enfance. Il me permettait de regarder le monde comme le petit héros de l'île au trésor de Stevenson regarde son île mystérieuse. C'est-à-dire que le monde devenait une carte au trésor avec des signes, avec des symboles, avec des signes cachés. C'était un jeu de pistes auquel nous nous livrions. Voilà pourquoi c'est tout à fait lié, l'affût, à l'esprit d'enfance. À tel point que, comme les enfants, et on sait comme ils peuvent être farceurs, vous redessinez la carte, vous réinventez la géographie des lieux ensemble, vous nommez autrement, vous changez en quelque sorte cette carte initiale ces paysages pour des raisons particulières, mais vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, la carte, c'était pour des raisons très particulières. C'était que Vincent Meunier ne tenait pas à ce que je donne les noms précis des vallées parce qu'il craint l'arrivée de braconniers dans ces endroits qu'il a lui-même identifié, qu'il a découvert au cours de longs séjours et qui sont assez giboyeux et qui pourraient devenir des vallées où des braconniers et des chasseurs feraient disparaître les panthères. Alors il m'a demandé de donner d'autres noms et moi je me suis amusé. Mais ça c'est pas avec les enfants que je joue à ça, mais nous nous sommes amusés à renommer selon nos propres souvenirs et nos propres références la géographie du Tibet. Alors il y a la vallée des Yaks, il y a le lac du Tao, il y a le sommet du premier Yak, il y a je sais pas quoi le canyon du léopard de la panthère. Voilà. Enfin, ouais. C'est comme la carte du tendre. Ouais. C'est comme si vous vivez dans une ville et puis vous vous souvenez, c'est comme dans Les Enfants du Paradis. Paris est une ville trop petite pour deux cœurs qui s'aiment. Alors vous avez à l'intérieur de la ville, vous auriez comme ça la rue du premier chagrin, le boulevard des larmes, le quartier de la séparation, la place des adieux, le pont de la déception. Et puis voilà, mais enfin, ne soyons pas pessimistes. Non. Oui, c'était dans ce sens d'une carte au trésor que ça m'y faisait penser. Cette panthère, elle est nourrie aussi de ce que vous dites, de la mythologie, de la culture. Il a fallu dépasser tout ça ou c'est ce qui vous a aussi nourri pour l'accueillir lorsqu'elle apparaît ? Vos connaissances biologiques, historiques, mythologiques ?
Vous en parlez de ça. Oui, bien sûr, mais je vois pas pourquoi il faudrait se débarrasser de ces références. Enfin, ça, j'entends parfois cette idée qu'il faut surtout rien lire sur une région afin d'y porter un regard neuf. Mais moi, j'ai pas suffisamment de richesse en moi pour me passer des références. Je trouve ça remarquable que parfois quelques-uns de mes camarades ou de mes connaissances, pas tellement de mes camarades d'ailleurs, mais plutôt de connaissances, de hasard souvent, prétendent qu'il ne faut surtout pas s'alourdir ou se polluer de références écrites sur les lieux qu'on va visiter. Moi, il me semble au contraire que plus on lit, et plus on acquiert des richesses, et le témoignage produit par le regard des autres et d'un autre que vous-même sur un lieu que vous allez vous-même découvrir. C'est merveilleux, c'est un enrichissement profond. Je crois, d'ailleurs c'est Montaigne qui dit ça dans le chapitre que dans les essais il consacre à la lecture, il dit que l'on fait de plus grandes choses et on pense et on vit avec plus de richesse quand on lit beaucoup. Moi, je crois profondément à ça et j'étais très content quand j'ai vu La Panthère de réussir à vaguement me souvenir de quelques représentations picturales que j'avais vues de La Panthère dans des fresques. Les Romains des premiers siècles utilisaient beaucoup La Panthère comme représentation, comme blason dans les mosaïques de ce qui représentait la volupté des confins orientaux de l'Empire. Puis après, elle a été beaucoup, beaucoup représentée, La Panthère. Elle a été représentée par les Flamands au XVIIe siècle, énormément, dans la peinture flamande, notamment quand les maîtres de Flamands dessinaient l'Arche de Noé, ils aimaient faire La Panthère. Pour un peintre, c'est un rêve, La Panthère, un motif avec des points, c'est merveilleux. Alors j'imagine que ça a dû beaucoup plaire aux peintres de dessiner les panthères. Puis après, il y a la puissance du fauve et du félin. Ça, c'est Delacroix, les chasses de tigres dans l'Atlas. Delacroix a beaucoup utilisé La Panthère. Après, il y a son mystère et sa cruauté. Alors là, tout le romantisme fin de siècle, un peu décadent du 19e, a représenté La Panthère en l'associant parfois à l'idée de la femme fatale. Et puis après, il y a l'art nouveau, l'art déco là, qui utilisait l'élégance très racée, très sculptée de La Panthère. On pense aux sculptures de Jouve, ou aux sculptures animalières de Proust. Moi, ça m'a beaucoup plu, voilà, d'associer toutes ces représentations à la présence de La Panthère. Cela dit, une fois que je fais, moi, cette célébration de la représentation du réel par l'art, je dis quand même, en mon fort intérieur, mais je le conserve pour moi, je ne le dis pas à haute voix, enfin, à part ce soir, exceptionnellement, je dis que je préfère quand même l'objet réel à sa représentation, même si j'ai une vénération absolue pour la représentation artistique des choses. Je crois que c'est ça qui sauve l'homme. C'est ça qui sauve l'homme, c'est son génie artistique. Mais je préférais tout de même la vision d'une panthère, celle que j'ai pu avoir au Tibet, que sa représentation picturale. C'est cette esthétique qui est importante, effectivement, cet affûtage de l'œil et cette manière de percevoir. Vous disiez un jour que plus la puissance, vous parliez de la France, je crois, à ce moment-là, plus la puissance diminue, plus on détruit en quelque sorte notre espace, notre planète, plus on va vers une forme de mysticisme. Vous vous rappelez de ça, cette idée qu'on a un rapport à la nature, vous dites, qui est complètement rêvé. Là, on n'est pas dans le rêve, on est dans une construction d'un rapport vrai, dans une vérité, dans ce rapport à la nature, dans ce que vous avez vécu. Oui, alors ce à quoi vous faites référence, c'est la constatation, enfin c'est pas une idée très originale, mais c'est la constatation que il y a un phénomène contradictoire, qu'il me semble intéressant de souligner, et que je vais faire. Il y a un rapport proportionnel entre la dégradation du monde et la prospérité, le succès des discours messianiques et prophétiques. C'est-à-dire, je m'explique un peu plus précisément, au fur et à mesure que la nature souffre, que le réel se dégrade,
que les forêts brûlent, que les océans s'acidifient, que l'atmosphère s'encombre, eh bien, au fur et à mesure, et que les espèces s'éteignent, au fur et à mesure, la croyance en l'avenir gagne du terrain. Ce qui est normal. C'est-à-dire que quand le présent recule, quand le réel diminue, quand ce qui vous est donné s'amenuise, il est normal de tourner sa pensée, son regard vers l'outre-monde, vers l'espérance. Et ces espérances, elles sont de trois sortes. Elles sont politiques, elles sont religieuses et elles sont techniques. Il y a une espèce de messianisme politique qui consiste à dire « demain ça ira mieux, changeons tout, métamorphosons, attendons la révolution, le changement c'est maintenant, vivement demain ». Enfin, tous les partis politiques, d'ailleurs quels qu'ils soient, utilisent cette espèce de projection d'eux-mêmes dans la promesse de lendemain qui, paraît-il, chanteront. Ça, c'est le messianisme politique. C'est vraiment la vieille rengaine, quoi. Des promesses, toujours des promesses. Et puis, alors, il y a un messianisme qui est le pendant, mais dans le plan spirituel, de ce messianisme temporel, c'est le messianisme religieux. Essentiellement, d'ailleurs, vécu après la révélation monothéiste. C'est-à-dire que finalement, la vie terrestre réelle, l'existence dans l'intervalle compris entre la naissance et la mort, n'est que l'attente parfois souffrante d'une vie éternelle qui sera autrement plus gracieuse. Et puis il y a un messianisme, alors celui-là qui est tout nouveau, qui a 40 ou 50 ans, qui est porté par les laborantins de la Silicon Valley, et qui est le messianisme technologique, quoi. C'est-à-dire, les puces au silicium vont nous sauver, je ne sais pas quoi, le salut du monde par la masturbation cybernétique, la parousie de l'humanité dans les propositions techniques. Mais c'est la même chose, en fait. Dans les trois cas, politiquement, spirituellement et technologiquement, ce sont trois formes de la prophétie, de l'attente et de l'espérance dans des outre-mondes et dans des chimères. Ces trois prophètes, qu'ils soient les prophètes de la Silicon Valley, les prophètes des tribunes politiques ou les prophètes des chaires ecclésiastiques, vous disent la même chose, ils lancent vos espérances aux trousses de leurs illusions. Des illusions qui sont d'ailleurs portées souvent par des discours très, très, très élaborés et souvent très agréables à entendre. Le discours politique, les propositions politiques, les dogmes religieux et les certitudes de technicistes, finalement, sont souvent très, très satisfaisants à entendre, d'autant que naturellement, l'homme a beaucoup tendance à aimer se réfugier dans la promesse, dans l'attente, dans l'avenir. Et qu'est-ce qui fait les frais de ces messianismes et de ces espérances et de ces attentes? C'est le réel. C'est ce qui est sous nos yeux, c'est ce qui nous est donné. Il est beaucoup plus difficile de maintenir ce qui est là, qui nous est donné en partage, sous nos yeux, dans la fragilité, dans cet équilibre, dans cet ordre que vous évoquiez tout à l'heure. Il est beaucoup plus difficile de maintenir ce qui est que de rêvasser à ce qui sera peut-être, sans qu'on en soit très sûr, mais enfin, de toute façon, ça vaut le coup de le croire. Voilà, alors c'est aussi ce qui vous traverse l'esprit lorsque vous êtes à l'affût pendant des heures devant un monde dont vous n'aviez même pas le soupçon, et vous vous en voulez de ne pas avoir consacré plus tôt votre temps et votre énergie à la vénération de ce qui est, en fermant complètement les écoutilles des faux télescopes qui regardent des constructions de l'esprit. Merci beaucoup de l'avoir précisé. On est tous tellement dans ce monde virtuel, dans ce rapport à l'image où on perd tout contact avec le réel, qu'il était, je pense, fondamental que voilà, on prenne un peu de temps et on vous prenne un peu de votre temps pour en parler. Cette virtualité, cette image,
Ça pose aussi la question peut-être de la création. On a envie de savoir comment l'écrivain aborde justement son travail après des expériences aussi intenses, différentes, singulières. Comment est née La Panthère, la deuxième, j'entends. Ah, le livre. Oui. Mais écoutez, moi, au risque de vous décevoir, je vais vous donner une réponse très, très ordinaire. Moi, j'arrache absolument toute représentation solennelle et difficile et laborieuse et souffrante du travail de l'écrivain. Moi, je ne vais pas dire que c'est naturel parce que j'ai mis beaucoup de temps à écrire. Pour moi, c'est techniquement difficile. Je mets du temps à composer un livre, à l'écrire, mais ça n'est pas du tout quelque chose de solennel. Moi, j'écris en permanence, j'ai des petits calepins, je tiens mes notes, je prends mes notes, ça fait mon matériau de départ, et puis après, une fois rentré, je recompose mes notes et en rétrécissant, quoi. Voilà, c'est banal ce que je vous dis. Il y a vraiment l'exercice du gueuloir. Vous savez, c'est Flaubert le gueuloir, c'est Flaubert qui encourageait les écrivains et qui l'appliquait à lui-même à lire les pages qu'il écrivait à haute voix. Parce qu'à haute voix, tout à coup, les échardes du texte, les anicroches, les aspérités, les peaux mortes qui glissent et que sous le regard et que votre œil ne détecte même plus, elles ne passent pas à l'oral. Alors, si vous lisez votre texte, vous le gueulez, comme disait Flaubert, vous arrivez à débroussailler, à enlever, à faire le toilettage, en fait. C'est pour ça que mes livres, moi, ils sont de plus en plus petits. Bientôt, ça se terminera par une quatrième de couverture. C'est la pensée par aphorisme. Oui, peut-être, mais c'est pas bien, parce que c'est aussi un cache-sexe de la pensée. L'aphorisme, c'est la pirouette, c'est la formule. C'est agréable. Oui, voilà, ben c'est ça, c'est agréable. Enfin, ça va pas très loin, l'agrément. C'est ça, c'est agréable. Alors, vous faites une pirouette, vous faites une formule. Moi, j'adore ça. Et après tout, je m'en fiche, on ne se refait pas. Je préfère finalement la manière de dire les choses à la chose elle-même. C'est un peu embêtant, évidemment. Ça vous assoit pas dans des convictions, quoi. Ça fait de vous une espèce de sophiste qui préfère, si vous voulez, la musique des choses à la vérité des propos. C'est pas très bien. C'est un mauvais penchant. J'essaye parfois de le contrebalancer par un peu de réflexion, mais comme j'ai du mal, je reviens très vite vers la pirouette. C'est embêtant de préférer la forme des choses aux choses elles-mêmes. Ça fait de vous un... Vous savez quoi ? Ça fait de vous un clown. Et il faut se méfier du clown qui dort en vous. Ce clown, je voulais lui rappeler peut-être sa folie, parce qu'elle nous fait du bien aussi d'oser partir, d'oser découvrir, parfois d'oser se poser, d'aller contre son mouvement naturel. Parfois, moi, je m'attendais à des moments de dévoration dans ce livre, des moments d'expression d'une puissance qui a su se poser et observer et rester dans l'attente. Il y a une véritable lutte intérieure parfois. Et en même temps, on a l'impression que, comme disait Nietzsche, vous devenez qui vous êtes face à cette panthère. Oui, le mouvement, le travail de conciliation de deux penchants contraires. Moi, il s'est exprimé de manière assez radicale dans l'affût, parce que j'étais obligé de rester immobile alors que j'aimais courir le monde. J'étais obligé de devenir patient alors que je ne le suis pas. J'étais obligé de devenir très attentif aux choses et à des choses qui ne variaient pas alors que j'aime passionnément la variété des choses et la surenchère de nouveautés. Enfin bref, je devais aller contre moi-même. Cela dit, je corrige un peu ce que je suis en train de dire en disant que c'était pas non plus la première fois que j'essayais de lutter contre mon penchant. Moi, j'aime la vie qui s'exprime dans la tentative de conciliation des opposés. C'est très banal parce que nous sommes nombreux à vivre dans cette tentative de résoudre une tension. Alors, j'ai toujours aimé me partager entre l'arrêt et le mouvement. Le mouvement, c'est le voyage. L'arrêt, c'est l'écriture, c'est la lecture. C'est la réflexion. De toute façon, l'écriture,
c'est une activité, c'est une activité qui, pratiquée quotidiennement, offre une solution à tous les tourments. Parce que c'est ce qui met une unité dans l'apparente diffraction de votre vie. Moi, j'ai une vie assez diffractée, je ne tiens pas en place, je n'ai pas réussi à creuser un sillon unique. J'ai aimé tâter de tout, essayer de faire un peu de tout, et donc je me suis résolu à tout faire mal, mais à faire beaucoup de choses différentes. Et il n'y a qu'une seule chose qui vient coiffer tout ça et apporter un semblant de cimentage, c'est l'écriture. C'est ça qui est merveilleux. Finalement, moi, c'est mon point d'unité, de rassemblement de toutes les choses que je vis, de toutes les choses que je fais, c'est d'essayer de formuler ce qui m'a été donné de vivre. Merci beaucoup. Vous avez dit un jour... Oui, vous pouvez l'applaudir. Vous avez dit, vivre, c'est faire de son rêve un souvenir. C'est dans le traité du monde. Juste vous dire merci en notre nom à tous pour ce souvenir que vous nous avez offert d'un lieu où nous ne sommes jamais allés, mais où on vous a accompagné avec voilà, bonheur et un tout petit peu de sagesse. Merci à vous, merci, Sylvain Tesson. Merci beaucoup. Merci. On va garder quelques instants et on vous retrouve dans le hall pour les dédicaces. Merci beaucoup à tous d'être venus si nombreux et nombreuses. Et merci à Sylvain Tesson et Olivier Roy et l'Opéra de nous accueillir. Merci.